Salut, salut, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Retour sur une vidéo et cette fois-ci, on va se faire un petit opening de Llama. Non pas parce que j'ai forcément envie de faire un opening de Llama, c'est que j'en ai pas mal et j'ai pas trop de chance au niveau des Llamas et je me dis peut-être si j'enregistre, peut-être si j'argumente un peu autour de tout ça, j'aurai peut-être plus de chance, j'aurai peut-être basculé le karma. Donc ce sera sur du Llama Super Production. Donc les lamas qu'on a en ce moment avec l'événement Super Production. Donc on voit 10, mais au final j'en ai plus de 10 et je dois en avoir au moins 20. On n'en voit jamais plus de 10, mais si vous voulez voir ce que vous avez, vous allez dans votre arsenal et vous voyez le nombre de tickets. Mais en fait j'en ai 21. C'est 500 par lama. Bon bah on va déjà en ouvrir 10. C'est parti. J'avance pas. Si par la suite j'en refais, vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez que j'avance ou pas. Enfin, que j'avance dans le sens où en haut à droite on a avance rapide, il suffit de rester appuyé. Et on fait avancer plus rapidement. Pour l'instant rien de bien exceptionnel. Il y a une arbalète en épique, mais j'ai quand même tendance à privilégier le légendaire. On sait la mode ne proc pas. Y a certaines armes que j'aimerais avoir avec des affixes à peu près corrects. Parce que... En cuivre. Par contre, il y a un moment où il va me donner un peu de légendaire ou il compte me troller jusqu'à la fin. J'ai jamais beaucoup de chance dans ces lamas, je chope très peu de choses intéressantes. Et j'en vois qu'il chope des trucs, mais arrêtez quoi. Ah, un légendaire, un pygargue. On verra ce qu'il a dans le ventre ce pygargue. Pygargue, c'est une arme où on peut faire pas mal de choses avec. À condition de l'avoir correct, sinon le reroll commence à coûter cher. Un choix. Alors, ouais, bon, en épique, j'ai envie de te dire que je m'en tape un peu. Topé! Allez! Beaucoup de masse le bordel. Donne-moi du village, sérieux. Lynx, je l'ai eu à peu près 30 000 fois. Evelyne Agent Double, que je n'ai jamais eu en légendaire non plus. À part le taureau, j'ai jamais eu vraiment de légendaire dans ces lamas. Bah pour l'instant, on peut pas dire que ce soit ouf, hein. À part le pigard qui est tombé en légendaire, c'est vraiment pas la folie, hein. Petit légendaire avec un choix cette fois-ci. Alors, l'arbalète ou le culbuteur? J'avoue que l'arbalète avec des bonnes stats peut envoyer des headshots assez violents. Le culbuteur, j'en ai plusieurs qui sont assez corrects. On va tenter l'arbalète, on verra un peu les stats qu'elle a. Les stats en full headshot, ça peut faire un truc très sympa. Bûcheron? Voyons. Les bûcherons avec des haches comme ça, ils doivent pas en avoir beaucoup. Alors, du rare, je m'en fous. À mon niveau, le rare c'est pas très important. Même si on peut les monter. Bon, c'est bon. Je m'en fous un peu de tout ça. Filez-moi du légendaire, Evelyne en légendaire là. Même s'il y a eu des flûtes proposées il y a peu de temps dans la boutique, j'ai pas forcément envie de. Ils sont cinglés, c'est là-bas. J'ai pas forcément envie de passer par la case flûte, hein. Si je peux éviter, ça m'arrange. Allez, du lège, la bordel. Et voilà. Il y en a qui font un légendaire à chaque lama, c'est un truc de fou. Hein.
Spectre, c'est une arme que j'aimerais vraiment avoir en légendaire. Avec des bons affixes, qui n'aient pas trop de reroll. Alors, on en a fait 10. Au final, un légendaire. Voyez un petit peu la poisse que j'ai. J'ai une arbalète qui a quoi? Dégâts des coups critiques, vitesse de rechargement. En sachant qu'elle a moins de carreaux dans le chargeur que celle qui était proposée pour la Saint-Valentin. 6 ralentis mobilisés, 5 tirs consécutifs. Déjà, il y a au moins 2 paires carry roll. Minimum. C'est pas ouf. On avait un Pygargue. Qui a dégâts coups critiques, dégâts tête, stabilité, dégâts au boss. Ouais, bon, il y a tout à reroll quasiment. Et c'est tout. Donc, c'est pas terrible. Donc, on va se prendre les 10 prochains. Et oui. Bon, le vert c'est toujours de l'XP de récupérer, hein, c'est jamais perdu. Le vert, le bleu permet d'avoir des manuels d'entraînement. Petit légendaire, un peu de choix, allez. Ah non, mais c'est que des armes, oh, franchement. C'est un MP5 que je. Bon, bah, Pygargue. Pygargue, j'aimerais bien l'avoir quand même, avec des bonnes stats. Il y a une, deux stats max à reroll. Épique, pareil, je m'en fous un peu. Après, bon, ça peut être intéressant si jamais je chope rien, on peut toujours passer en. De l'épique en légendaire maintenant, mais bon. Attention avec cette hache. Je préfère garder mes flux pour des héros quand même. Je vais même pas avoir un héros en légendaire, c'est un truc de fou. Je le sens bien ça. Allez, du légendaire, bordel! Du caca. Ils doivent tellement se marrer quand ils font les dialogues. Je regrette rien. De l'épique. Penny démolitionniste. Grizzly. Penny, je sais pas si je l'ai. Oh, c'est pas du légendaire, mais. Ah si, je crois que je l'ai. De toute façon, j'ai le taureau qui est son homologue masculin, donc. Le geste auguste du faucheur. Schlick, schlick. Ils sont cinglés. C'est moi. Allez, du lège là. Ah, l'arbalète est en lège. Bon. Je sens encore que ça va pas être ouf. Je le vois bien. C'était génial. Le spectre m'intéresse bien en légendaire. Oh, c'est vraiment caca. Hein. Stop you. Ah, problème de traduction. Persévérer, je persévère. Hein. Des lamas comme ça, j'ai dû en ouvrir une cinquantaine. Et grosso modo, du caca quoi dedans. Il y en a, ils ont ouvert 5 lamas. Ils ont tous les héros légendaires, c'est un truc de fou. J'ai vraiment la guine dans ces lamas. C'est-à-dire que j'ai déjà claqué pas mal dans le jeu. J'ai aucun héros mythique. Il y en a, ils sont niveau 20, ils ont déjà un héros mythique. Ah! Ça m'intéresse. En espérant qu'elle ait pas des stats trop pourries. Voici. Lama terminé.
Il y en a qui ont beaucoup de chance sur l'ouverture des lamas, moi c'est pas mon cas. Ça va encore, m'en fous. Ah! Un choix, alors. Spec toujours, ça me fait deux specs légendaires. Peut-être moyen d'en avoir un qui serait intéressant à bricoler. Alors, un spectre avec taux de critique, dégâts s'immobiliser alors qu'il a de l'infection, donc ça fait déjà 2 rerolls, stabilité ça m'intéresse pas, plus j'aimerais bien avoir un élément, donc 4 rerolls, non merci, désolé. Dégâts des coups critiques, dégâts des coups critiques, taille du chargeur ça me va, dégâts physiques non, dégâts des coups critiques ce serait bien de mettre autre chose, il cause de l'infection, il a cible étourdie et chance lente. Bon ça en fait 3 encore à retaper. Donc c'est pareil, c'est pas ouf. Il en reste un, bon, on va se faire le dernier, hein. On aurait fait 21 et 21 avec que du caca. Voilà, en gros, bah c'était pas ouf. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai beaucoup de chance quand je joue des lamas. Et au final, j'en ai pas plus quand je l'ouvre en vidéo. Bon, si vous trouvez ça sympa, peut-être une fois où je le ferai, j'aurai un truc ouf et ce sera épique réaction et tout quoi. Mais c'était pas le cas aujourd'hui. Allez, abonnez-vous et faites faire un tour sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Ciao! Like, not like.